cord. Great. So we're recording now. Everyone, I am pleased to introduce you to Bienvenue, Mohamed, à cette session. You're welcome, Mohamed. Thank you. Bienvenue, Mohamed, merci. Merci, Kira. Je vais partager mon écran. Bienvenue à tous. Je prends une minute ou deux. Demande à chacun de dire votre nom, de vous présenter, s'il vous plaît. Et comment vous prenez votre pronom. Ok, on va commencer. En Nigeria. Mon pronom, c'est elle. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Est-ce que vous demandez à la prochaine personne de se présenter? Timese Atama, can you? Timese, est-ce que vous pouvez vous présenter? My name is Timese Atama. Mon nom est Timese. The Director of Equity Watch Initiative. Located at the University of Nigeria and Suka. Yes, we are in Nigeria. She, her, is my pronoun. Oh, donc je vais passer à parler. Trafic now so that I can hear you well. Thank you. Okay. And isn't Njoku, can you introduce yourself? Njoku, tu peux présenter toi-même? Allô? Mrs. Ezine Njoku. Mon nom c'est Madame Ezine Njoku. I'm in UNN. Je suis en Nigeria, merci. Oui, merci. She and her. C'est elle. Who do you speak to go next? À la prochaine personne. Kira, is she still with us? Kira, Kira est avec nous, est-ce que tu es là? I'll just pick someone. Ok, d'accord, je vais choisir quelqu'un. Okay. You want to say hi? Loretta, are you there? Is it Loretta? So I'll just pick someone randomly from my list here. I can't get the names. I see. Okay, Abubakar just vanished. So Abubakar is sorry. Hello. Oui, bonjour. Hello. Please, my name is Abdurashid Youssef. Vous me recevez? Mon nom est Abdurashid. Hello. Hello. Yes, Abdurashid, go on. Allez-y, présentez-vous. Elle est partie. Okay. Donc, je disais, c'est Keïta Aboubakar de la République de Guinée. Thank you, Keïta. Abdurashid. Merci, Keïta. My name is Abdurashid Youssef. Je suis Ghanéen. Je suis membre et le fondateur. Je suis. My pronouns are he,
Monsieur le directeur, non, je me prononce. Je me prononce lui. On appelle lui. Il est là. Diane Chitobo. Je m'appelle Diane Chitobo. My name is Hussein Mohamed Kamal Din. Est-ce que tu peux choisir la prochaine personne qui va se présenter? Ok. On my list, I see Achebe Betamsumle. So Achebe. Achebe. Introduce yourself. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Okay, I'll move on to the next person. Okay, je pense à la prochaine personne. Okay, also radio silence. Then it's a calm. Oh, d'accord. Allez, I thought I had someone speaking. Je pense Kelly, how are you? Kelly, comment ça va? Hi, everyone. I'm Kelly, and I'm in the United States in network organizer. Je suis organisateur. Et je choisis sur les manants. Oh, c'est comme si il est parti déjà. Sur les manants, est-ce que vous êtes là? Okay, maybe not. And also, if you feel more comfortable, just. Soyez confortable. Si vous pouvez vous dans le chat, c'est aussi. La personne que je veux pas appeler menacée à la salle. Ok, Mohamed Awal Alassan is muted. Alassan, tu es muté. Monsieur Moussafa au Ghana. Tu peux se présenter? Yeah, hello? Hello. Am I audible? Yeah. Est-ce que vous m'entendez? Good afternoon. Bon après-midi à tous. Seeing your face live again. I'm not going to talk for it's been a while. Greetings from Ghana. Non, donc je suis en train de vous la présentation. Let me just put it that way. Thank you. Thank you so much. Yes. Who else? Have I? I think that's everyone on the list. It's my list. Sorry. I have Ezine Njoku. Ezine Njoku. Okay. Oui. Ezine is trying to comment. She has a Est-ce que j'ai introduit? Est-ce que j'ai présenté? Elle essaie de se reconnecter. Nous avons commencé. Merci à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Like Kira said, this session is. Comme Kira a dit, cette session. It's meant to explain and also to sort of give you the context of the need to add. The context to be. Event details. As we did with the list. Yes, yes, yes. The yes, we can see you. Je tiens à ajouter cela
Avant que nous allons dans les détails, je veux voir l'endroit de la cérémonie. Il faut aussi ajouter beaucoup de gens qui sont qualifiés. Il y a une écho là qu'on entend. Il y a beaucoup de points. Je veux voir si je peux vous mettre en ligne parce qu'il y a beaucoup d'écho. D'accord. Ça, on peut visiter l'endroit de votre événement et puis beaucoup de gens qui sont qualifiés pour tout le temps que possible. Vous dites l'endroit de votre événement, le nombre de participants dans l'événement, le temps dans l'événement passé. Ça, c'est la formule de comment il faut mettre la distance. Au point de passé, je faisais des statistiques. Je vais faire ma main dans Et puis les questions les plus compliquées. Et ajouter les participants. Par exemple, de la fibrose. Si on a ces données, par exemple. Je vais voir le chat. Do you want to speak more about this? Okay, est-ce que vous pouvez parler? No, I was just speculating why so many people were remaining silent during the invitation. Je voulais savoir pourquoi les gens sont peut-être silencieux. Non, d'accord. Je ne voulais pas interrompre. Désolé. Vous pouvez m'arrêter quand je parle. Pour me poser des questions et pour vous. So you might be asking, you know, how do I go about doing this? Vous m'avez demandé comment je fais ceci. Il y a une vidéo dans ce slide que vous pouvez voir. Et puis après, nous allons mettre cette session sur ça, vous pouvez regarder. Je vais tout faire pour que ça soit équipé. Maintenant, je pense que les gens sont familiers avec les données en général. Si quelqu'un ici
pouvais pas expliquer brièvement comment je peux expliquer comment les dominations sont venues. C'est par rapport au fait qu'on a eu. Je faisais auparavant les sujets, les données que j'avais fait auparavant. Tenants and Wikidata are modeled based on what we call triples. So the three different parts of triple is what we call a statement. Les uns appellent les déclarations. Quand ce que vous voyez sur l'écran maintenant, les propriétés, les valeurs qui sont. La campagne. Simply put, a triple can be read like a sentence in plain English, you know, as a statement containing a subject. Ça peut contenir un sujet et un objet. Dans un exemple, je peux vous donner. On my right side here. This item is as in Feminism 2022 campaign. It's an instance of. She's not. So another statement in this item, as in Feminism 2022 campaign, which is the item, is that it has location. Okay. Vous entendez maintenant? Vous pouvez dire, vous pouvez parler, hein. Si vous n'entendez pas, vous parlez en français, comme ça, je peux vous écouter aussi. Les références aussi. Les qualifiers, ça permet de terminer. C'est le value de le nombre de participants de l'autre. Dans le temps, vous pouvez voir le date, par exemple, le 6 mars, mars 2022. Vous pouvez ajouter les références. Ce qui est la situation. Si vous avez référence, vous ajoutez dans votre déclaration. Vous pouvez mettre. Attends, je vais sentir. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons quatre statements déclaratifs. Si vous pouvez vous permettre, le nombre, on peut ajouter le nombre de participants. Dans le site, la location, l'endroit là où vous allez voir l'événement pour s'y ajouter. S'il y a d'autres points que vous pouvez ajouter, voilà, comment ça va affecter cela pour les qualifications dans le statement. On n'entend plus. On a du bruit du fond, on n'entend pas du tout. Il y a les gens qui. Je sais que. Vous pensez ça? I don't
French. So, can anyone help translate? Can I switch on this? Alors, parce qu'il faisait le bruit, je ne pouvais pas entendre. Donc là, c'est bon, ils sont. Yes, I'll remind you about the Wikidata link. Oh, okay. Yes, I will do that. Cool. All right. So, Wikidata items have statements. Le statement est plus compliqué. Un exemple, comment ajouter cela? Si vous voulez voir, regardez mon écran. Je vais changer. C'est notre campagne de 2020. Nous avons. Attendez, c'est du monde, c'est là. Nous avons l'endroit. L'événement, le nombre de participants, et puis le lien. Et donc, il y a d'autres avances qu'on peut ajouter, d'autres éléments qu'on peut ajouter, bah, plus oui. De location, le lieu. Quand nous avons. Et à partir du moment où on a toutes les informations, et donc on a toutes ces informations, c'est facile pour nous de pouvoir écrire une demande et de pouvoir voir le résultat sur la carte. Exemple. Et on peut faire une recherche et on peut voir qu'en 2020, on a eu sur l'écran, deux endroits en Afrique. Et que la plupart des événements sont passés aux États-Unis, il y en avait aussi en Europe et dans plusieurs endroits sur la carte. Et donc ça, c'est assez utile pour nous de voir, pour voir si vos données ont fait partie, ont été incluses dans les objets de 2020. Donc, si vous les avez organisés avec des amis, on ne le verrait pas ici. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir le mettre sur Wikidata. Alors, Kelly demande, est-ce que vous voulez juste des données sur les événements Wikidata ou aussi d'autres événements également, comme des formations? Oui, alors oui, les formations, les éditons qui sont tous sous le parapluie de la campagne 2020. Et donc, il faut tous les inclure. Alors, on va montrer par exemple un exemple. Alors, ça, c'est Wikidata. Alors, donc, ça, c'est pour la campagne 2020. C'est toujours 2022, donc c'est toujours vide jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a qui sont volontaires pour pouvoir inclure un événement qui s'est passé en 2022 pour avoir un exemple pratique, pour vous montrer comment ça marche? Oui, alors oui, on a eu un événement. Oui, on a eu un événement les trois derniers jours. C'est pour ça que j'ai levé la main. Je voulais aussi en parler. Alors, je vais commencer à l'ajouter et ensuite on pourra ajouter le nombre des participants dedans et la location. Donc, d'abord, on va remettre l'endroit. Donc, c'est l'Université de Nigeria, Nsukka. Est-ce que vous pouvez ajouter Nsukka parce qu'il y a plusieurs campus? Then include Nsukka.
Donc, il faut inclure Nisuka. Nisuka. Nisuka, c'est déjà là. Yes. Oui, il est déjà là. Donc, c'est là. So I have published it, and then... Alors, je l'ai publié. Et donc là, on peut ajouter le nombre de participants. On peut le dire la date et on le lien sur le tableau de présentation. Alors, désolé, mon écran est gelé. Ah. I'm not able to click on the item anymore. Ah. J'ai l'impression que ça ne marche plus. Okay. I'll open a new one. Alors, je vais ouvrir une autre fenêtre. All right, so we have a location. Alors, donc on a le lieu. Je vais appuyer sur Edit et on va ajouter une qualification. Alors, on va ajouter par exemple la date. Quand est-ce que quand a été l'événement? Alors, c'était le 5 et le 6 pour la formation. Le 5 et 6 avril. Okay. Hello, can I ask a question? Yes, you can. Okay, I saw P and some numbers, but it has disappeared. Where point in time is now? J'ai pas vu où était le point in time, la date. Est-ce que vous pouvez le refaire pour que je puisse voir? Alors, je dois le refaire. Donc. Are you okay? C'est bon comme ça? Yes. We said 5th and 6th of April. Oui, on a dit que c'était le 5 et le 6 avril. Alors, oui, alors en fait, on peut pas ajouter une durée. On peut mettre plusieurs dates, mais on peut ajouter le 5 et ajouter le 6, par exemple. Mais on peut pas mettre le 5 et 6. Idéalement, on pourrait ajouter un autre qualifier, remettre une date, donc point in time. Ou we can have a start time on one. On peut avoir la date de commencement et la date de fin si la durée est plus longue. Donc, je préfère avoir un point in time, donc les dates, parce que c'est plus facile pour rechercher. Moi, je vais enlever ça et je vais vous montrer quand on appuie start time. Et donc, ensuite, je vais mettre la fin. And time 6. La fin, donc le 6 avril 2022. April 2022. Okay. We can also add number of participants. Et on peut aussi ajouter le nombre de participants et le lien sur le. Alors, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes sont venus? 36 participants. Oui, il y en a 36 participants. How many people? 36. I think we, because we don't have the attendance, I think we had more than... On n'a pas pris la... Je pense qu'on a eu plus de 36 personnes. Est-ce qu'il est...
On a à peu près la présence. Est-ce que c'est possible de pouvoir le mettre à jour plus tard? Oui, plus tard, vous pourrez toujours l'ajuster. Alors, attendez, je vois plusieurs questions ici sur le chat. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres événements? On peut ajouter d'autres événements, des programmes sur Wikidata, autres que, RFM, que les campagnes RFMism. Et comment est-ce que quelqu'un peut chercher dans Lookup? Comment est-ce qu'on peut les trouver? Alors, oui, on peut ajouter d'autres événements, d'autres événements que vous voulez. Mais pour la campagne de 2022 et pour pouvoir garder justement tous ces événements, il faut qu'on puisse les mettre sous cette parapluie de la campagne de 2022. Et donc, si on veut pouvoir les suivre des événements qui sont, il faut choisir donc art événement. Il faut ajouter la phrase. Que c'est ajouté dans Art et Féminisme. Alors, il y a une autre question de Kelly. Est-ce que vous voulez aussi ajouter les événements Wikiedu ou les classes qui sont en lien avec Art et Féminisme? Oui, je pense oui. On aimerait bien pouvoir suivre tout ce qui se passe dans Art et Féminisme. Donc, même si c'est événements, il faut pouvoir les ajouter. Oui. Okay, let's go back to University of Nigeria's events. Alors, on va continuer avec donc, les événements en Nigeria. On peut ajouter une autre. Qualification, il faut juste appuyer sur edit dans le nouveau, dans le organizers et ajouter un site officiel. Donc la plupart du temps c'est lié à un événement sur un autre site. Donc, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir mettre un lien sur un autre site. Mais si vous n'avez pas d'autres liens sur un autre site, ce n'est pas grave. Do you have a link? Yes, we have a website. You know, oui. The event was. Alors, nous, on a un site. L'événement a été organisé. Which is a non-governmental organization. Par l'organisation non gouvernementale des musiciens. Et donc, on a un site internet où on a téléchargé justement l'événement parce qu'on a toujours aussi une activité la semaine prochaine. Donc, peut-être qu'on va pouvoir mettre le lien là-dessus. Hello, Marcelin. Yes, okay. I think the official website you are requesting for is. Site internet qui est. Est-ce que c'est le site officiel? Est-ce que c'est le. Artrich Bodley. Oui, alors donc si vous avez un site plus officiel qui a une liste de tous les événements et. Avec un. Un site, on préfère ça, avoir ça plutôt que juste une présentation ou juste un tableau de bord. Mais il y a des événements qui n'ont pas ça et donc là, vous pouvez juste mettre le tableau de bord dessus. Alors, j'ai une question. Yes, go ahead. OK. So, if we publicize this. Alors, si on publie. Cette activité via le site de l'université. On peut mettre le site de l'université ici? Oui. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Plutôt que d'avoir Outreach, le tableau de bord d'Outreach, il vaudrait mieux avoir le site de l'université. Let's see, do we have any more questions? Est-ce qu'on a d'autres questions?
one has any questions or needs clarification. Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions ou a besoin de clarification? Lorsqu'on parle du nombre de participants à ajouter dans les données, est-ce qu'on regarde spécifiquement ceux qui ont participé ou alors, ceux qu'on a sur notre tableau de bord? You asked for the number of participants. Oui, donc j'ai dit quand on parle du nombre de participants. To know whether que je voulais savoir, est-ce que les participants qu'on ajoute, est-ce que ce sont seulement ceux qui sont venus à l'événement, les personnes qui sont venues en personne à l'événement, ou est-ce qu'on peut... And we have them on the dashboard. Où est-ce qu'on peut mettre les éléments qui étaient dans sur le tableau de bas? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu, mais je vais... Alors, si j'ai bien compris ce que tu as demandé, c'est que si on doit inclure, si le nombre de participants qu'on a sur le tableau de bord ou le nombre de participants qui sont en fait venu à l'événement. Alors, idéalement, je pense que ça devrait être le même nombre de personnes, ça devrait être le même que ceux qui sont sur le tableau de bord, mais si... Bon, je vais vous montrer un exemple. Let's pick one event. Alors, on va en prendre un. Dans le... So that will be sure. Oui, donc on peut regarder dans... So, Africa Watch, English Lab, search for Africa Watch. I think it's from programs. You didn't go to... Non. Dans Africa Watch, In Watch. Dans les... Let's search from here. On va chercher ici Africa Watch. I'm not finding it here. Non, je ne le trouve pas ici. On va chercher Equity Watch. C'est Equity Watch. Ah, j'avais entendu Africa Watch. Non, c'est Equity. Équité. Alors, je l'ai trouvé. Donc là, je vois. Je vois qu'il y avait 43 éditeurs. Yeah, awesome. So, is I would just put this of editors and then I would add it here. Alors, je mettrai ici le chiffre 43. Merci. So, ideally, you know, be the number of participants from the dashboard. Alors, idéalement, c'est le nombre de participants qu'il y a sur le tableau de bord, le dashboard. Do we have any more questions? Hello, can I ask a question? Yes. Hello, Marcelo. Yes, go ahead. Okay, so... J'ai une question. Alors, d'après ce que je peux voir, toutes les autres informations... Hello? Yes, I can hear you. Yeah, if we look at the... Can you... Si on regarde... Est-ce que tu peux remonter un peu pour les items? Okay. Statement. Let us look at the statement. Alors, par exemple, on va regarder dans le statement. Alors, on dit art et féminin. Ça, c'est déjà écrit dans le site. So what I'm asking. So
Where we have a job alors, to do is at the location. Yes. Ce qu'on doit faire, ce qu'on, le travail, c'est de, d'ajouter la, le lieu et la seule chose. La, Sorry. Yeah. So the next person adding a statement. Oui, donc la prochaine personne qui ajoute un qui va ajouter un statement, donc une déclaration, va ajouter une valeur. Et donc si donc, on n'a pas besoin de rajouter un autre statement, une autre déclaration. On va juste rajouter le lieu. Donc, on... c'était le même événement, mais on va rajouter un lieu. Donc, c'est l'Université du Ghana. Je l'ajouterai, donc, ici. Publish. And then I would add... Et j'ajouterai aussi... dans les qualifiers, j'ajouterai peut-être la date, le 4 avril 2022. Et j'ajouterai le nombre de participants. Donc, par exemple, 34. Et donc, je regarderai dans le dashboard et donc la personne après pourrait aussi rajouter la valeur qu'ils veulent, pourrait ajouter les données. Est-ce que ça aide? Donc, à partir du moment où on a toutes les informations ici, dans les données 2022, donc pour l'année 2020, c'est déjà, on a déjà mis beaucoup d'informations, on peut voir tout, une fois qu'on a toutes les informations, on pourra voir ça sur la carte. Donc ça, ce serait très utile pour nous de pouvoir tous ces événements. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yes. Moi, j'ai besoin du lien de cette carte. Ah, ok. We still need the link. Yeah, you still do need the link. Good. So that is in the slide. Let's give you the link now. I'll add it to the chat here. Also, I will share the slides with you after oui. This. Session. Je viens de le mettre dans la chat et je pourrais chercher le partager après. And then you can access it. And also, if you le partager après avec vous. Et aussi si vous êtes si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi regarder ce lien avec les résultats lorsque vous avez fini sur Wikidata. So here you can see that. Alors ici, vous pouvez voir que. Comme l'Université de Nigeria, on peut le voir ici, avec 46 participants, le lieu, il y en a un autre événement donc, qu'on a fait à Ghana. Et donc, on peut voir que ces deux points, de ces deux lieux, maintenant, on peut les voir sur Wikidata. Et ça, c'est parce qu'on les a, on a entré les informations. Have
have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Okay, it's pretty straightforward, given that there are no more questions. Je pense que c'est assez clair, comme il n'y a pas d'autres questions. Ah, non, pardon, est-ce qu'on peut retourner à Wikidata, s'il vous plaît? There now. So now it's like, yeah, we have it here. The results, here, one, zero, and I don't know. Two locations added. Alors, ici, c'est tous les deux lieux qu'on a, qu'on a mis. Donc, vous avez une question? Under University of Nigeria. Oui, sous l'Université de Nigeria ou l'Université de Ghana, il y a Start Time et End Time. Ça, c'est là où on a commencé. Est-ce qu'on peut revoir comment on fait start time et end time? Oui, on peut le refaire. Alors je vais les enlever ces deux qualifiers, donc ces deux qualifications, et les rajouter. Donc on a l'Université du Nigeria. Participants is still there. Non, on n'a pas en fait parce qu'il y a toujours le nombre de participants. Je préfère avoir on peut tout enlever. Donc j'ai tout enlevé et là on va l'ajouter encore. Alors, oui, est-ce qu'on peut avoir une page complètement blanche? Alors, je les ai enlevés. Et là, j'appuie sur Add Value. Okay. First is to add value. Yes. Wait. Okay. Donc, il faut appuyer sur Add Value. Okay. OK. OK, on appuie sur Add Value. Alors, ça, c'est pour ajouter un lieu pour un événement. Donc, le lieu, c'est l'Université de Nigeria. Ansukar. On a plusieurs locations, mais on cherche celle de Ansukar. On appuie sur Publish. Then we add more qualifiers. Ensuite, on ajoute d'autres qualifications, qualifiers. Donc, on peut ajouter donc le start time, si on veut, la date de commencement. Donc, April 2022. Et donc, je clique sur publish. Et ensuite, j'ajoute un end time, donc la date de fin. Donc, 6 April 2022. 2022, le 6 avril 2022, et je clique sur Publish. Publier. Donc, en ajoutant les qualifications, lorsque on a ajouté le lieu, on peut cliquer sur Add Qualifier, donc ajouter une qualification. Et donc là, on peut ajouter ce qu'on veut, le nombre de participants. Qui était 43, et on clique sur Publish. Et lorsqu'on a le lien qui est prêt de l'université, vous pouvez aussi l'ajouter à Qualifier, donc le site web, le site internet. Et donc on peut ajouter le lien ici et on appuie sur Publish. Et donc, ça, ce serait pour l'événement en entier. Donc, si vous organisez plusieurs événements, vous pouvez les avoir. Par exemple, si vous en organisez un dans l'Université du Nigeria et un autre dans un autre lieu, vous pouvez vous ajouter un autre statement si c'est un autre événement.
Right, Kelly has to leave. Yeah. See you, Kelly. Kelly doit partir. Okay. Au revoir, Kelly. Yeah. Est-ce que ça vous a aidé, Antizy? Oui. Oui, ça m'a bien aidé parce que je me demandais où est-ce qu'on devait cliquer. Donc, mais maintenant, je vois. Merci. Your voice is chopping off. Alors, je n'entends pas très bien. I can hear you. Je n'entends pas très bien. I'm not able to hear at all. It's just. Alors, malheureusement, j'ai pas pu entendre. Est-ce que tu peux l'écrire sur la fenêtre de chat? I'm going to see if your connection is very, very. Alors, la connexion est très. Très mauvaise. On peut se reconnecter. Boarding in progress. So now we welcome I guess in Greece. We have not gotten there because the number of participants still there. Hello, it's not me. I'm not talking. Ah, ce n'est pas moi. Je ne parle pas. Echo. Yes. Yeah. Anyway. Can we just have it like a blank session? There are any last questions? I'm happy to take them. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? Otherwise, there are no questions. Autrement, s'il n'y a pas d'autres questions. Ngozi, raise your hand. Ngozi, go ahead. Okay. Well, you have the career, I'm capable of talking. Hello. I can hear you. Okay. So after inputting this information, we want to retrieve them from. Attends, lorsqu'on va. Chercher les informations de Wikipédia ou Wikidata. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces informations? Très bonne question. Alors, j'ai partagé avec vous. Je vais le partager encore. J'ai partagé le lien. Il y a un lien que j'ai envoyé pour pouvoir faire une recherche pour ces informations dans Wikidata. Donc, je viens de le partager sur le chat, ici, vous cliquez dessus, ça va vous amener à cette page. Est-ce que c'est celui qui finit, c'est le lien qui finit par 52Z0? Et donc, si je clique dessus, si on appuie dessus, ça va vous amener à un lien. Alors, celui-là, c'est de 2020, je crois. Là, je vais mettre le lien pour 2022. That's the second. Attends. Okay. So the link I shared was alors, 2020. Celui que j'ai, le lien de 52.0, c'est 2020. Et là, je viens de partager celui de 2022. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez voir les deux événements qu'on vient juste d'ajouter, celui de Nigeria et celui du Ghana.
So you can always come back. Et donc, vous pouvez toujours revenir. I can see it. Okay. When you click on the link, what do you see? Est-ce que quand tu cliques sur le lien, qu'est-ce que tu peux voir? Ah, attendez, j'ai pas. Si on clique dessus, ça va. Oui, ça, on a le logo Wikidata et ensuite MARP, une carte du Nigeria. Est-ce que vous voyez le lien, le point rouge sur la carte? Oui. Oui, et donc si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez voir le nombre de participants, le lieu, on voit écrit l'Université de Nigeria. Et donc si vous regardez sur la gauche, vous pouvez voir l'événement qui était au Ghana. Et donc si vous cliquez dessus, vous pouvez aussi voir le nombre de participants, la date et le lieu. Donc, très beau. Ah, c'est bon. Et même avec les. Attends, j'ai pas vu ce qu'on a ajouté. J'ai vu peut-être la recommandation de Wikidata pour l'université du Nigeria. Mais je cherche le travail qu'on a eu pour celui qu'on vient juste d'ajouter pour. Le travail qu'on vient juste d'ajouter, ça, je ne trouve pas. Je n'arrive pas à voir celui qu'on vient juste d'ajouter. Alors, celui qu'on vient d'ajouter, c'est celui de l'Université du Nigeria. Alors, donc, le résultat qu'on devrait pouvoir voir, c'est... Alors, apparemment, mon écran ne bouge pas. Alors, le résultat qu'on devrait pouvoir voir, ce serait cette carte. Donc, on verra cette carte et on verra cette carte avec ces deux points. Et donc, ça, c'est le but de ces déclarations. OK. D'accord, et où est-ce qu'on écrit cette requête? Alors, non, vous n'avez pas besoin d'écrire ça. Vous pouvez juste copier le lien. Vous pouvez cette requête quand vous voulez. Et donc, vous pouvez copier ça sur le service en question et avoir les résultats. Ce que je recommanderais, c'est je vais partager ces diapositives et ces liens aussi. Et donc, vous pouvez les voir et cliquer dessus quand vous voulez. Donc, je pense que quand plusieurs personnes vont pouvoir ajouter des lieux, et à chaque fois que vous cliquez dessus, ça pourra se rafraîchir et vous pourrez voir plus de points et partout dans le monde. Okay. Okay. I have a raised hand from Mohamed Awa Alassan. Je vois que ça a levé la main, Mohamed. Hello, Marcelle. Yes. Someone asked a question about. Quelqu'un a posé une question par rapport. Events, si on pouvait ajouter un événement là-dedans. J'avais autre chose, j'ai pas entendu comment est-ce qu'on peut ajouter un événement qui ne sont pas en relation avec art et féminisme. Et si oui, comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter cette déclaration tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour ajouter ça?
It just started snowing. So for this particular item, for this particular item. Pour cet objet en particulier, ce qu'on veut, c'est de pouvoir. On peut pouvoir tracer tous les événements de art et féminisme. Et toutes les campagnes et tout cela. Donc, pour l'instant, on est juste intéressé aux événements qui sont par rapport à cette campagne. Mais si vous avez d'autres campagnes que vous voulez pouvoir retracer pour savoir combien il y a d'événements, vous pouvez seulement créer un item. Donc, vous cliquez sur « Item » élément. Et vous pouvez ajouter ces déclarations donc sur cet objet, cet élément. Et donc, oui, j'ai utilisé Wikidata pour pouvoir tracer tous les événements qu'on a à Arts et Féminines. Et je vous recommande de faire ça aussi. Parce qu'on a déjà ces données que tout le monde peut voir. Donc, c'est un outil qui est très utile. Et deuxièmement, ça restera toujours là. Donc là, quand plus tard, on pourra poser plus de questions dedans. Donc, si vous avez un événement qui est séparé, une campagne séparée, vous pouvez quitter et vous pouvez ajouter sur... add item, donc ajouter un élément et vous pouvez créer un événement. Ok, thank you, Marjorie. And with this query. Merci. Et donc cette recherche, est-ce qu'on pourra aussi faire une recherche justement pour cela aussi ou est-ce qu'il faudra en créer une autre? Alors, idéalement, il faudrait changer le nom de item, donc le nom d'élément dans la recherche. Vous pourriez utiliser cette recherche en changeant le nom de l'élément. Et donc si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et je pourrais regarder. Mais si vous pouvez aussi chercher par le lieu, le site d'Internet, le nombre de participants, donc la seule chose que vous avez à faire, ce serait de changer le nom de l'item, le nom de l'élément, et de changer le nom de la campagne de recherche. Donc, des fois, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais si c'est le cas, vous pouvez me demander, je pourrais vous aider. Alors, on vient de dépasser le temps, je n'ai pas envie de vous retenir plus longtemps. Merci à nos interprètes pour être restés un peu plus longtemps. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un télégramme, un email ou toutes les télécommunications que vous pouvez trouver. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye. Thanks for endorsing my program, too. You're welcome. Okay.